Bon matin à toutes et tous. On se retrouve pour le message de la Voix des âmes. Nous sommes mardi 30 mai 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Avant de commencer, mets de la lumière dans ta vie. Sois optimiste, lève-toi le matin et remercie pour la belle journée que tu vas passer. Encore une fois, je le répète souvent, tout passe par la pensée, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, j'ai pigé respect. Ton âme te dit aujourd'hui, respecte-toi. Respecte-toi, s'il te plaît. Actuellement, il y a quelque chose que tu subis et qui n'est pas du tout en lien avec tes besoins et tes attentes. Quelque chose qui dépasse tes limites et quelque chose qui a une influence négative sur, l'estime de toi-même. Alors, s'il te plaît, respecte-toi. Ose dire non. Ce n'est pas parce que tu dis non que tu n'aimes pas. Ose écouter tes besoins et tes limites. C'est important. En ce moment, je me manifeste à toi par tes émotions. Je te fais ressentir, des émotions très fortes. Mais le but est de te faire réagir. C'est pour cela que je le fais. Je souhaite que tu dises non à toutes ces situations qui sont toxiques pour toi, pour que tu puisses créer un nouvel espace disponible à la nouveauté et à l'inédit. Donc, je t'invite à quitter quelque chose qui ne te convient pas ou qui ne te convient plus. Alors, écoute tes émotions et écoute-moi. Même si leurs ressentis sont au tout début, négatifs, leur message est plus que positif, tu sais. Fais-moi et fais-leur confiance. Tes guides, en ce moment, on t'invite à te connecter à l'instant présent. Tu peux être trop dans le passé ou trop dans la projection des événements à venir. Et cela crée des énergies de contrôle. Et cela te connecte à ton mental. Sois juste ici, là et maintenant. Plus tu vas vivre l'instant présent, n'est-ce pas? Et plus tu vas avancer d'une façon positive dans tout ce qui est important pour toi. Et en ce moment, tu peux avoir l'impression de ne pas avoir d'intuition ou de ne pas avoir de message clair avec tes outils spirituels comme tes oracles, etc. Ce n'est pas un hasard. Non, ce n'est pas un hasard. Le but est que tu puisses être ici, là et maintenant. Alors, respire, ouvre tes yeux et ton cœur magnifique et vis l'instant présent, tout simplement. Tu es dans cette énergie pour les 5 prochains mois. Et cela va ensuite donner, de très grandes révélations intérieures pour de très grandes transformations extérieure. L'entité te dit
je me suis rendu compte que je ne comprenais pas forcément ce mot « respect ». Je me suis rendu compte que j'avais le poids du karma familial des générations précédentes et que je gardais en moi et que j'acceptais des situations et des relations qui ne me convenaient pas. Je me suis aussi rendu compte que je pouvais moi-même répéter les mêmes schémas. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que je considère comme des erreurs, mais je ne me sens de plus en plus légère concernant le poids de mon passé et de mon ancienne vie. Aujourd'hui, je vois tes propres limites et je me rends compte qu'elles n'ont pas été et qu'elles ne sont pas respectées. Je t'envoie de très nombreux signes pour que tu puisses t'en souvenir et pour que tu puisses t'y connecter. Actuellement, je t'envoie de très nombreux signes concernant un endroit, un lieu précis. Es-tu réceptif à ça? Soit tu peux y penser de façon insistante, soit tu peux avoir des signes le concernant. Cet endroit est important pour toi et il est idéal pour que tu puisses te connecter d'une façon nouvelle avec tes énergies. Fais-moi confiance et dirige-toi vers cet endroit, même juste pour quelques heures. Cela va te permettre de comprendre beaucoup de choses et d'être dans une nouvelle relation respectueuse avec toi et avec les autres. Très beau message, n'est-ce pas? Je termine avec la guérison des 5 blessures et j'ai pigé encore aujourd'hui injustice. Aujourd'hui, je décide de demander à 2 personnes d'attirer mon attention sur les fois où je critique les autres ou moi-même. Lorsque cela arrive, je les remercie sans me justifier. Je prends le temps de bien sentir que c'est mon ego qui croit que la perfection doit se manifester dans l'avoir et le faire. Si j'ai de la difficulté, eh bien, je me donne le droit de laisser mon ego m'influencer pour le moment en sachant qu'un jour, je m'aimerai, même si je ne réponds pas à ces critères de perfection. J'accepte surtout que mon intention est bonne. Je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve demain. Portez-vous bien. D'ici là, je vous embrasse. À demain.